Nous sommes aujourd'hui le 23 mars, bonjour les amis, 23 mars 2023, et aujourd'hui, un évangile qui pose plutôt question. Jésus va débattre avec les pharisiens et il va les mettre devant leurs contradictions. Une contradiction qui est purement théologique et on va dire même biblique, puisqu'ils vont refuser de croire en Jésus et dans les œuvres que Jésus accomplit, et ils vont se mettre à revendiquer qu'ils appartiennent à Moïse. Or, Moïse lui-même dira « Si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous mes paroles ?» Cet évangile où Jésus va rendre témoignage de lui-même à travers ce que le Père fait à travers lui, les œuvres qu'il accomplit, et va rentrer quelque part dans une discussion purement théologique, mais dans lequel il faut bien y voir un message important où déjà Moïse, de son temps, s'était interposé entre la colère de Dieu, la volonté de Dieu de vouloir rayer de la carte ceux qui s'opposaient à lui par leur endurcissement, par leur nuque raide, par leur méchanceté. Eh bien, Moïse s'était interposé en disant « Mais Seigneur, comment pourrais-tu agir ainsi ? Comment ta colère pourrait encore s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Comment toi qui es Dieu, peux-tu rendre à l'homme ce qu'il fait envers toi? Comment peux-tu, toi, qui a dit que tu ferais de cette nation une grande nation, tu l'as promis pas simplement à moi Moïse, mais tu l'as dit à Abraham, Isaac et Israël, tu l'as promis à tes saints serviteurs que t'es Abraham, Isaac et Israël, et que tu multiplierais la descendance de ce peuple comme les étoiles du ciel, et que tu donnerais ce pays à tous les descendants d'Israël, et qu'il aura pour héritage cette terre promise. » Alors le Seigneur renonça à faire le mal contre son peuple grâce à l'intercession de Moïse. Et il en est de même de Jésus vis-à-vis d'Israël, quand il va faire comprendre aux pharisiens et aux juifs de l'époque que le témoignage qu'il rend est un témoignage qui ne rentre pas dans leur logique à eux. Elle n'est pas acceptable ou acceptée ou envisagée d'être acceptée par ces autorités-là, par les juifs de l'époque, parce qu'ils ne voient pas en Jésus le Messie, mais voient un frère juif, rabbin, certes, mais qui, quelque part, est comme eux. En tout cas, dans l'apparence, dans ce qu'ils voient de l'extérieur. Or, Jésus est bien plus qu'un simple juif, ou qu'un simple rabbin, ou qu'un simple homme. Non, Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et son témoignage, ce n'est pas lui qui le rend, parce que s'il rendait son propre témoignage de lui-même, son témoignage serait faux. Mais par contre, c'est par le témoignage de Jean le Baptiste, par le témoignage des œuvres qu'il accomplit au nom de son Père, que ce témoignage devient vrai, que son témoignage devient une réalité. Or, l'accusateur, aujourd'hui, cherche à discréditer totalement tout ce qui se fait en Église. L'Église a pour mission, par exemple, d'annoncer la parole de Dieu et de proclamer cette parole. Or, cette parole, elle est bafouée par des hommes qui se prétendent meilleurs qu'elle en décidant de vivre dans cette parole ou d'y voir dans cette parole une évolution, une progression à laquelle le peuple de Dieu doit dire « Amen ». Et ainsi, nous pouvons voir dans certaines dénominations, et y compris dans l'Église catholique, le désir dans certains endroits de valider des choses qui ne sont pas validables dans la parole de Dieu, qui ne sont même pas envisageables dans la parole de Dieu. Je prends par exemple au mariage des homosexuels. Je n'ai rien contre eux, mais l'homosexualité est clairement défini dans la parole de Dieu comme quelque chose de contre-nature. Est-ce que pour autant ces hommes et ces femmes n'ont pas le droit d'exister? Si, ils ont le droit d'exister. Mais leur péché doit être aboli. Ils doivent renoncer à cette transgression dans laquelle il tombe et dans laquelle Dieu déclare que la pratique de l'homosexualité est une abomination devant lui. Alors on peut rejeter cette parole qui aujourd'hui n'est pratiquement pas entendue dans les médias et dans la société dans laquelle on est. Et du reste, certaines églises ont commencé à marier les homosexuels, dans d'autres on parle de les bénir. Dans l'église catholique en Allemagne, on parle de les marier, de bénir leur amour, parce que l'amour vient de Dieu. Alors s'il y a de l'amour, il faut bénir. Mais on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit dans sa parole. Même Paul dira, les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je ne fais que citer la parole de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que pour autant je les condamne? Non, je ne condamne pas les hommes qui pratiquent cela, je condamne leur pratique. Tout comme l'homme qui est adultère, il est condamnable dans son adultère. Mais lui, en tant qu'homme, il est appelé à être sauvé et à être racheté et à être pardonné, tout comme l'homosexuel est appelé à être racheté et sauvé. C'est à cela que nous sommes appelés. La femme qui avorte est-elle condamnable plus qu'un autre? Pourquoi avorte-t-elle? Est-ce qu'elle doit être condamnée? Non, elle est appelée à être pardonnée. Ce qui est condamnable, c'est l'acte par lui-même. Ne transgressons pas tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ne la mettons pas à notre sauce. N'en faisons pas, nous, quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Prenons-la comme elle est. Et s'il y a des choses qui nous déplaisent, ce n'est pas à elle de changer. C'est à nous de réviser notre position. Nous ne devons pas devenir progressistes pour faire de la parole de Dieu ce que nous voudrions qu'elle soit. Prenons-la comme elle est, acceptons-la. Et si on ne l'accepte pas, c'est pas le problème de Dieu, c'est pas le problème de la parole de Dieu, c'est notre problème. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous inspirer la véritable sagesse, celle de capable de reconnaître Jésus dans les œuvres qu'il fait, dans sa parole qu'il donne et dans l'authenticité de celle-ci, indépendamment de nos convictions personnelles. Merci à tous d'exister.